on a eu trois tirs directs de RPG sur notre engin. Deux sont passés à côté au-dessus. Et la troisième a tapé l'avant de l'engin sans exploser. Donc elle était défectueuse. Elle a tapé juste sous la caisse à l'avant. Et ensuite elle s'est fichée en terre, donc on n'a pas pu la récupérer. Et ça, c'est un tir de SPG-9 qu'on a subi depuis le rond-point des Buffs, qui a explosé juste devant 50 mètres devant l'engin. Et après avoir explosé, la douille, enfin l'enveloppe, a sauté au-dessus, est passée au-dessus de la sagaie pour aller se rouler quelques dizaines de mètres derrière. En impact direct, on a eu quelques éclats beaucoup d'éclats enfin de projectiles. En impact direct, on en a un sur le côté de ici. Donc apparemment, c'est qu'on a souvent été accroché sur le côté gauche, donc la tourelle était souvent à 10 heures. On a un impact direct sur le volet et on n'a pas pu relever d'autres impacts, enfin on n'a pas trop cherché pour l'instant. Ça mitraillait énormément, ça passait souvent au-dessus. Donc le peloton a subi 11 tirs de roquettes. On a eu deux tirs indirects de T-55 qui ont explosé juste devant 50 mètres devant l'engin. C'était un T-55 qui tirait beaucoup trop haut, enfin qui tirait trop haut, et nous étions en contrebande qu'on ramassait. Et là, le SPG-9, c'était du tir direct, donc au moins deux tirs de SPG-9 depuis le rond-point des Buffs. Et beaucoup d'impact de tir direct à la 14-5 notamment, mais des très mauvais tireurs. Voilà. Donc on a riposté, mon brigadier a riposté tout d'abord à la 762 coaxiale. Qui est très précise, qui a été assez appréciée notamment par les fantassins le lendemain pour la précision dans les lisières. Et on a tiré ensuite de l'obus fumigène sur le rond-point des Buffs, pareil pour les masquer, ils nous saturaient de 14-5. Et enfin, on a tiré un obus explosif sur un tireur, ben, le tireur qui nous a touché avec sa roquette, qui a été détruit à 200 mètres à l'explosif. Voilà, de chaque fois les tirs ont été très précis. Bon, c'était du tir à 600 mètres pour le fumigène et à 200 mètres pour l'explosif. Alors nous étions sous blindage, c'était très facile pour nous. Mais vous verrez tout à l'heure mon groupe d'investigation, qui eux étaient débarqués des véhicules, n'ont pas eu le temps de faire des pauses de combat parce qu'on a été mis en place à 6 h du matin, les combats ont commencé 2 heures après. Et eux étaient derrière des plaques de béton ou derrière des arbres, et quand ça a bombardé et que ça a mitraillé, bon, ils faisaient au mieux pour riposter, mais c'est surtout le comportement des légionnaires qui font qu'ils tiennent au combat. Et beaucoup d'entraînement pour les faire, c'est vrai, pour les faire tenir. Le lendemain, on a été accroché pendant 3 heures. Pareil, on a subi des tirs, notamment mon sous-officier adjoint, le chef Paumé, qui lui a essuyé 4 tirs de roquettes, dont un immédiatement direct, juste en se repliant. Et qui était lui pris à partie par une 14-5. Et là, pour la défense de l'aéroport, on était en défense ferme. Et on a en fait tiré au canon uniquement en riposte, sur des tirs directs sur nous, ou sur le peloton. Il y a eu un peu de tout, du petit calibre, en passant par du 14-5, du RPG, du mortier et des tirs de T-55. Et est-ce qu'il y a des projectiles qui vont toucher? Il y a eu pas mal de balles perdues. Heureusement, on n'a eu aucun blessé à déplorer au niveau du peloton. Oui. Et là, est-ce que le RC-90 a bien tenu face à ce genre d'attaque et de projectiles? Oui, tout à fait. Oui. Et vous avez riposté sur quel type d'objectif? Sur des fantassins postés, beaucoup. Pas mal de tireurs isolés aussi qui nous prenaient à partie en tir direct. Est-ce que la mitrailleuse coaxiale a été d'une bonne efficacité? Ah, tout à fait, oui. D'ailleurs, on a riposté avec la coaxiale, la 762, et ouais, c'était efficace. Alors, on a été renforcé le samedi, donc nous étions seuls avec les commandos de l'air en premier lieu. À la fin de la journée, on nous a renforcé une section du 21e RPIMA et dans la nuit, à minuit, une section du 3e RPIMA. Donc ces deux sections étaient là pour le combat du dimanche matin. Ça a été très utile. Elles ont permis de boucher les intervalles et notamment les fantassins de valoriser le terrain autour d'eux. D'accord. Nous n'avons pas eu de génie pendant les deux premiers jours de combat qui n'étaient pas disponibles. Donc les engins étaient en défilement de roues, comme on l'appelle. C'est-à-dire posés tels quels, bien en évidence, justement, oui. C'était voulu. Mais subissaient tous les tirs directs et indirects. Et les fantassins ont été très utiles, notamment entre les engins. Donc on a vraiment mixé, on a fait ça intelligemment avec les deux sous-officiers, le marceau et le parachutiste. On a placé les armes en fonction de leur capacité.
et on a complètement cassé les structures des unités pour être vraiment efficace. Pour info, j'ai subi 3 tirs de roquettes et j'en ai observé qu'un sur mon engin. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on est en engin blindé, on a un champ de vision très réduit et il faut absolument des gens débarqués sur les côtés qui rendent compte et qui sont à même de répliquer immédiatement. Voilà, donc la cavalerie voit, l'engin blindé voit très loin, mais sur un très petit champ de vision. Et il y a vraiment besoin d'avoir du fantassin débarqué à côté pour élargir et riposter immédiatement au plus près. Voilà, d'accord, c'est un supplément de protection. Oui, on a été, on attendait le lundi matin un assaut de l'aéroport. Les rebelles avaient déclaré qu'ils voulaient prendre l'aéroport. Et la plupart des tirs venaient de la gauche. Et c'est un moyen de fortune qu'on a trouvé. Quand on l'a fait, on a pensé au côté utile et pas trop à l'esthétique. Parce que, donc comme je vous l'ai dit, le dimanche soir, on nous a annoncé que les rebelles arriveraient le lendemain matin. Et c'est là qu'on a eu les moyens du génie. Et toute la nuit, le génie de l'air a embossé, a fait des embossements pour l'infanterie, pour les engins blindés. Et on s'est mis en place, nous, à 5h du matin. On a continué à valoriser tout ça, à prendre tout ce qu'on pouvait pour nous protéger, les grilles. On a vraiment démonté l'aéroport. Les marsouins et les paras ont valorisé aussi leur poste de combat. Et tout ce qui pouvait nous protéger sous la main a été bien utile. Et on les attendait là de pied ferme cette fois, parce qu'on était embossés. Et là, on était prêts à tenir.